Je vais bien, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de te voir pour de vrai. Pour de vrai. On se suit depuis tellement longtemps. C'est un vrai bonheur. Bon. Oui. Tu as fait bon vol. J'ai fait bon vol, j'ai été accueillie par le soleil de Bruxelles. C'est un vrai plaisir. J'ai juste été un peu déçue qu'à l'aéroport, on ne parle qu'anglais. Mais ça, c'est un autre débat. Non, bon, pas français. Non. Pas espagnol. Aucune signalétique française. Bah, je vais en parler au ministre. D'accord. Les livres, parce qu'on est ici pour parler des livres. Tu es tombée quand dans les livres? Je suis tombée très jeune. J'avais un papa fou de littérature française alors qu'il habitait en Égypte, qui a été élevé à Baudelaire, à Zola, à tous les grands auteurs. Et quand il est venu en France, à Paris, pour la première fois, il a fait un voyage initiatique un peu pour retrouver les rues de tous ces romans qui avaient bercé son enfance. Donc oui, je suis tombée très tôt dans les livres. Il y avait une passion déjà lors des études pour la lecture. Moi, j'aurais aimé faire des études littéraires, mais tu sais, je fais partie de cette génération. Il fallait avoir un métier avant tout. Et donc, le livre ne nourrissait pas son homme. Donc, je me suis orientée vers des choses un peu plus classiques, un peu plus sérieuses, un peu plus ennuyantes aussi. Mais c'est aussi un autre débat. Mais dans le courant des études, est-ce qu'il y a eu un maître qui t'a ouvert les yeux sur quelque chose? Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai aimé beaucoup d'auteurs. Puis tu sais, je dis toujours qu'on étudie entre 15 et 18 ans des livres qu'on n'est peut-être pas capable d'aborder. Mm-hmm. Et finalement, on s'ennuie en français avec des livres où on n'a peut-être pas la maturité pour les aborder. Il faudrait les lire beaucoup plus tard. Donc là, je suis en train de relire, par exemple, tu vois, j'ai acheté quasiment tout Proust. Parce que Proust, j'en ai des souvenirs terribles. Alors j'ai envie de me replonger dans cette littérature. Je pense que voilà, on n'intéresse pas les enfants avec les livres adaptés à leurs âges. Et on fait passer, je pense, beaucoup de futurs lecteurs à côté du bonheur de lire. D'accord. Le premier écrivain que tu as rencontré, tu t'en souviens? Quelqu'un qui écrit. Je rencontre quelqu'un qui écrit parce que j'aime lire. Et voilà, enfin, une découverte. C'est des questions un peu pièges. Ah ben je m'en souviens. Alors non, c'est pas vrai, parce que dans mes tendres années, j'animais une émission littéraire sur une radio française, et j'ai rencontré pas mal d'auteurs à cette époque-là. C'était peut-être Marek Alter, le premier. Peut-être Marek Alter. Ou Sorman, Guigui Sorman, ça c'est des auteurs dont je me souviens parce que c'est des auteurs qu'on ne peut pas oublier. La mémoire d'Abraham et tout ça. Oui, et puis c'est des auteurs qui te passionnent. J'étais jeune à l'époque, j'avais 19 ans, 20 ans, donc j'étais très impressionnée par ces hommes. Tu fréquentais déjà ce monde-là? Oui, un petit peu par hasard. D'accord. Un petit peu par hasard. Ici en France? En France. Oui, d'accord. Ouais. Tu es aux États-Unis depuis quand? Depuis 17 ans. 17 ans en 2006. D'accord. Un 8 juillet 2006. Et alors, les livres en français t'ont accompagné là-bas? Oui. De toute façon, moi, je suis très attachée à ma culture de langue française parce que mes lectures ne sont pas les lectures françaises à proprement parler. Je m'intéresse à toutes ces littératures francophones. J'aime la littérature arabe, je suis passionnée de littérature arabe, j'aime la littérature africaine. J'aime ces littératures différentes où il y a un français différent, donc qui est passionnant. Et ce plaisir de partager est venu comment? Alors, c'est venu à l'époque où j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai écrit plus toujours, mais où un jour je me suis dit, c'est maintenant, je suis prête, je suis mûre pour écrire mon premier roman. Et j'ai écrit ce premier roman et j'ai rencontré quelques auteurs aux États-Unis, parfois dans des grandes maisons, parfois des auto-édités, et tous avaient le même souci de on n'est pas visible. Sorti du pays, on n'a aucune visibilité. On n'existe pas, et donc il y avait cette espèce de malheur d'être encore plus seul que n'est l'écrivain dans son propre pays. Et je me suis dit, mon métier c'est la communication, ça fait 20 ans que je fais ça, comment je peux mêler mon expertise à ma passion de l'écriture, du livre, etc. Et donc c'est comme ça que sur un bout de table, à Miami, est née Rencontre des auteurs francophones. Et ça a commencé avec quelques auteurs autour de moi, et puis c'est devenu cette aventure incroyable. Tu pourrais un peu parler de ce club que tu as créé? Alors aujourd'hui, Rencontre des auteurs francophones, c'est 350 auteurs de 47 pays. Alors quand je dis pays, c'est des territoires.
Parce que pour moi, tu vois, la Martinique, c'est un territoire avec sa propre culture. Oui. Tu vois, donc je le sors comme un pays propre. Donc j'ai monté ce réseau en 2020. C'était les 50 ans de la francophonie. Au début, c'était des rendez-vous d'auteurs dans différentes villes des États-Unis. Le but, c'était vraiment d'être centré sur les États-Unis et de promouvoir la littérature francophone. Et puis la Covid nous est tombée dessus, à redistribuer les cartes, et tant mieux. Parce que du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter des auteurs du monde entier? C'est comme ça que Rencontre des auteurs francophones a fait des petits un peu partout. Après des événements, c'est devenu des événements virtuels, bien évidemment, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc on a eu les cafés littéraires, on a eu les rencontres entre auteurs, on a eu pas mal d'événements comme ça, virtuels, qui réunissaient les uns et les autres aux quatre coins du monde. Après, je me suis dit, comment on donne la parole aux auteurs, non seulement dans leurs livres, mais un peu tout le temps. Et donc, j'ai mis en place le blog. Et le blog, c'est à peu près un article par jour. Et les auteurs ont liberté presque totale, presque parce que le mot respect quand même encadre tout ça, presque totale d'écrire et de partager ce qu'ils veulent. Donc ça permet de mettre l'auteur plusieurs fois par an à l'honneur. Après, revenu le temps de l'après-Covid avec les événements, donc j'ai créé le Festival des auteurs francophones en Amérique. Après, on a fait des jolies expériences comme Mons, hein, où on a participé au Salon du Livre de Wallonie. Et puis voilà, et puis on travaille sur beaucoup de choses. C'est aujourd'hui une activité qui me prend, comme tu peux imaginer, un temps plein, si ce n'est deux temps pleins. Oui, on va en parler. D'accord. Donc, tu as démarré avec des auteurs locaux, et puis l'idée est venue justement d'aller au-delà et de faire des rencontres virtuelles. Oui, alors, il faut aussi que je t'avoue pourquoi je suis tombée dans la marmite de la francophonie en tant que française et que je ne suis pas restée francophone. D'abord, l'arrogance française ne me va pas toujours. Je peux le dire, je suis française, j'ai le droit de le dire. Et je me suis retrouvée un jour invitée par l'Association culturelle des Nations Unies à présenter mes livres. Et je me suis retrouvée devant une salle avec des lecteurs du monde entier. Et cette salle vibrait tellement de façon différente. C'était tellement... On avait prévu une réunion d'une heure et demie qui a duré trois heures. Il y avait des questions dans la salle, il y avait un engouement pour la littérature. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est cette atmosphère-là, c'est cette vibration-là. Et donc, c'est pour ça que je suis partie directement sur la francophonie. Tu vois, je n'ai même pas passé par la case française. Oh, d'accord. J'avais envie de ça. Oui. Ouais. Mais il y a un droit d'entrée qui existe pour ce genre de... Un droit d'entrée. Alors, le premier droit d'entrée pour les auteurs, alors, il faut être sélectionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, où j'ai le bonheur d'accueillir des auteurs importants, que ce soit Marc Lévy, Philippe Villain, Isabelle Barry, Vincent Engel, etc., tu ne peux pas faire cohabiter tout le monde. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, j'ai ouvert aux auto-édités parce que je pense que c'est important que chacun puisse avoir sa place, mais les auto-édités passent par des comités de lecture. Et on n'en retient que les meilleurs. Alors, tu vas me dire, l'auto-édition, ça marche un peu comme ça. L'auto-édition, tout le monde peut écrire un livre, mais s'il n'est pas bon, bah, tu vas le vendre à ta mère, à ta sœur, à ta voisine, à ta meilleure amie, mais il ne dépassera pas les quelques exemplaires. Donc, si tu veux, tous les auteurs qui sont en maison d'édition, bien sûr, ont la porte ouverte, parce que pour moi, j'estime que la maison d'édition a fait ce travail. Hein. Je suis personne pour passer dans une maison d'édition. Et par contre, les auto-édités passent par un comité de lecture. Donc j'en ai un aux États-Unis et j'en ai en France qui lisent. Voilà. Oui, parce que moi, je suis un petit peu très sceptique sur les auto-édités, surtout à faire leur promotion, parce qu'encore une fois, tu mets en avant des gens qui n'ont peut-être pas encore les capacités à pouvoir maintenir la plume dans un fil continu, et tu leur donnes une notoriété qu'ils n'ont pas encore. Alors, tu fais découvrir des gens, c'est bien, mais est-ce que la boule de neige va continuer à fonctionner? Et là, je trouve que c'est très dangereux. Alors, tu sais, d'abord, il y a des auto-édités qui finissent en maison d'édition. Tout à fait. Et parmi mes auto-édités, j'en ai quand même plusieurs qui ont été rachetés, dont les droits ont été rachetés par des maisons d'édition. Et après, tu as aussi des grands auteurs qui sont sortis des maisons d'édition, comme Dicker, comme des gens comme ça, qui ont monté leur propre maison, parce que tout le monde ne s'y retrouve pas. Alors... Juste pour parler de mon cas, juste parce que quand moi je me suis posé la question de savoir si j'allais partir en maison d'édition ou en auto-édition, mes amis dans les maisons d'édition m'ont dit il faut que tu l'envoies à des maisons d'édition. J'ai commencé à faire ce travail, qui est un travail compliqué.
même si tu connais des personnes, si tu n'arrives pas sur le bon bureau, enfin voilà, c'est compliqué. Et moi, je suis un bélier, j'avais absolument pas cette patience. Moi, je venais de finir mon livre, il avait été relu 10 fois par 10 personnes différentes, j'ai retravaillé, c'était pas le meilleur des livres, mais je me suis dit, moi, personnellement, je suis prête à y aller, j'ai envie d'y aller. Tu sais, quand tu sors un bébé, c'est ça un bébé, c'est une gestation, un livre, quand tu le sors, attends des mois que quelqu'un veuille s'intéresser à ton livre. Et puis, je voulais pas, comme beaucoup, hein, je voulais pas une petite maison d'édition qui n'ait pas les moyens de diffuser mon livre. C'était soit j'avais le rêve absolu d'aller dans une très belle maison, soit bah, j'allais partir toute seule parce que mon métier c'est la communication et que je savais mieux vendre des livres que la plupart de ces maisons d'édition. J'en ai vendu 3500 du premier exemplaire, du premier roman, c'est pas mal, tu vois. Voilà, et je comprends que beaucoup d'auto-édités aujourd'hui se posent cette question. Moi, je pousse certains auto-édités à aller en maison d'édition quand je pense que ça en vaut la peine. Quand je pense aussi qu'ils ont du réseau. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un auteur qui est Valérie Zetoun, qui est un grand producteur de musique, qui passe partout à la télé et qui connaît la terre entière. Je lui dis, pourquoi t'es parti en auto-édition, toi ? Pour la même raison que moi. Pas la patience de frapper aux portes, d'attendre des mois, d'avoir son manuscrit qui sera molli dans les tiroirs. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à l'auto-édition, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis en place des comités de lecture. Après, c'est vrai, tu veux aussi aider certaines personnes. Tu aides celle qui a un petit talent, tu aides celle qui a un talent de conteur parfois. Moi, la règle que je donne, c'est... on juge deux choses. On juge l'écriture, parce que moi, la plume est essentielle. Et entre toi et moi, mon cher Willy, il y a des gens en maison d'édition qui n'ont pas une plume extraordinaire. C'est un autre débat. Et la façon de conter une histoire, parce que je lis parfois des choses qui sont extrêmement bien écrites. Et à la page 50, tu n'as pas commencé le livre. Tu t'ennuies. Donc, si tu veux écrire, c'est ça. C'est mêler la plume à la façon de conter, de conter la fiction avec un brio. Alors voilà, après peut-être qu'il y a parmi mes auteurs certains à qui je donne peut-être plus de notoriété qu'ils ne méritent. Mais j'essaye de faire en sorte d'équilibrer les choses. Et je vais te dire, hein, les auteurs qui ne méritent pas souvent restent qu'à quelques mois et ne viennent pas. Parce que comme c'est un réseau, ils sont encouragés par les autres. Donc tu vois les auteurs qui encouragent les autres parce qu'il y a une vraie plume, parce qu'il y a une vraie passion pour un auteur, on découvre des choses. Donc c'est ceux-là qui restent et c'est ceux-là qui s'en sortent. Oui, parce que bon, moi je vois dans notre entourage ici, il y a des profs de français, ils s'imaginent les meilleurs écrivains du monde. Bon, ils manient peut-être bien donc, la construction littéraire, mais quant à l'imagination, c'est très plat, quoi. Donc là, je me méfie souvent aussi, bon, je me fais... Oui, après, j'ai te renvoyé la question. Combien de livres par an lis-tu où tu te dis, est-ce que ça méritait vraiment de finir dans telle ou telle maison ? Tu vois, on est tous extrêmement déçus. Il y a des livres qui ont été tirés à des millions d'exemplaires. Je ne comprends toujours pas, si ce n'est la relation avec une personnalité. On doit la voir, quoi. On doit la voir. Voilà, moi, j'ai le Coran, j'ai la Bible, je ne les ai peut-être pas encore. Ah, mais c'est des grands livres, ça. Non, mais oui, mais tu comprends. Il y a des livres qu'on doit avoir et qu'on ne lira jamais. Oui, et puis il y a des livres que tu lis parce que, on te les présente comme la dernière merveille du monde, oui. Qu'il y a eu 1 million de lecteurs, 1 million de... Et puis tu lis ça, tu te dis, mais pourquoi ? Oui, tu vois, pourquoi ? Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut des livres qui plaisent à tous. Moi, j'aime pas qu'on... Quand on dénigre des auteurs, les Musso, les Lévis, sous prétexte que c'est des livres faciles à lire. Non, le livre est là pour faire plaisir. Donc si ça fait plaisir à des lecteurs, mais tant mieux, c'est formidable. Donc voilà, donc quand je découvre un livre et je me dis, quoi, ça fait 1 million d'exemplaires, mince alors. Mais non, je me dis non, bah, ça fait 1 million d'exemplaires parce qu'il y a 1 million de personnes qui ont eu du bonheur et du plaisir à lire ça, c'est tout. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, que penses-tu des réseaux sociaux maintenant ? Écoute, les réseaux sociaux, il y a le bon et le mauvais. Il y a énormément de bons. Ne serait-ce que personnellement, on a tous retrouvé des copains d'enfance, des gens oubliés, des premiers petits copains. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses fantastiques. Il y a le fait, ben voilà, je pense que rencontre des auteurs francophones a bénéficié des réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est un gros travail, hein, il faut se lever à 5h du matin, mais a bénéficié des réseaux sociaux. Et puis après, c'est effectivement une foire d'empoigne, c'est souvent les discussions de café du coin, c'est souvent agressif. Voilà, il faut savoir ce qu'on partage, il faut partager ce qu'on veut partager, en se disant
quelle image je veux donner, quel message je veux faire partager, et puis voilà, et puis ne pas rentrer dans les polémiques. Moi, je trouve qu'il faut s'éloigner des polémiques. Dès que tu commences, ça m'arrive hein, parfois, comme tout le monde, en disant non, attends. Là, c'est trop, j'y mets mon avis, et puis tu gâches ton énergie pour rien, et puis tu crées... Parce que moi, je connais des dames qui écrivent, évidemment, elles sont prêtes à jeter une poignée de sel de bain au premier youtubeur pour qu'il sorte de la mousse le bouquin et qu'il le laisse tomber, qu'il en prenne déjà. Ça dure une seconde et demie. Oui, mais est-ce que ça ramène grand-chose? Moi, je sais que j'ai des auteurs qui ne jurent que par les instagrammeuses, que par tous ces gens-là, les influenceurs... C'est pas pour ça qu'ils vendent des livres derrière. Hein. Ah ben non. Donc ils envoient. Bon, je sais qu'il y a... Moi, quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai reçu une tonne de sollicitations. Pouvez-vous m'envoyer votre livre? Je vais faire une rubrique dessus. Bon. Comment dire, dans mon pays d'adoption, so what? Enfin, tu vois, ça sert à quoi? Bon, je pense qu'il faut, il faut savoir communiquer. Il y a des gens... D'ailleurs, j'ai des auteurs en auto-édition qui communiquent très très bien et bien mieux que des auteurs en maison d'édition. Savoir trouver le bon angle, et puis encore une fois, c'est du partage des réseaux sociaux, donc partager des choses positives, des choses que tu as envie de des élans, tu as envie de communiquer. Alors bon, on va parler un peu, c'est là que j'ai rencontré la première fois rencontre des auteurs francophones à la foire du livre de Mons, qui était donc je veux dire coachée par Magali Villain. Oui. Magali qui avait, on a profité de ce moment-là pour ouvrir la Belgique. Voilà. Ça a été la première antenne qu'on a ouverte. Magali, ça faisait plusieurs mois qu'on se rencontrait par des rendez-vous virtuels comme les cafés littéraires. Il y avait une étincelle que j'aimais bien chez Magali, une espèce de folie que j'aimais bien. Je trouvais qu'elle me ressemblait en blonde, tu vois. Et donc, on a tout de suite accroché. Et donc, ça s'est fait comme une évidence, quoi. Mm-hmm. Que Magali était la bonne personne pour représenter Rencontre en Belgique et puis pour le développer. Et je crois que la Belgique va devenir le premier pôle en dehors des États-Unis. Il y a plein de choses qui s'y préparent. D'abord, il y a un accueil formidable. Et puis les Belges, ils sont chouettes, je peux le dire. Ah, d'accord, ça ne va pas, merci. Non, c'est vrai, ils sont chouettes parce qu'ils sont ouverts, parce que... il n'y a pas de prise de tête, les choses sont plus simples, les choses sont plus évidentes et... il y a moins de barrières qu'avec les Français. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Donc en France, tu ne trouves pas un oiseau rare qui va te permettre de... Si, j'en trouve. Oui. Je suis en train de travailler sur des choses assez géniales. Mais voilà, c'est moins spontané. Je trouve que le Belge, comme le Québécois, moi j'adore les Québécois aussi. Il y a une espèce de côté spontané comme ça, vouloir faire les choses. L'envie, elle se voit dans la discussion. Tu vois, elle s'entend, elle se voit, elle te donne envie d'avancer. Donc la Belgique... effectivement, ça va être bien. Et tu es plus sollicité par les auteurs directement ou bien par les maisons d'édition? Comment est-ce que cela fonctionne? Écoute, j'ai les deux, mais c'est très difficile de travailler avec les maisons d'édition. Très difficile parce que je pense qu'elles sont encore sur un mode de fonctionnement un peu dépassé pour la plupart d'entre elles. Et que moi, je suis ni une librairie. Ils ne savent pas dans quelle case me mettre, si tu veux. Donc, ils ne savent pas comment me gérer. Alors, il y a des grandes maisons qui sont top, avec qui je travaille bien. Plomb, J'ai lu, enfin voilà. Les petites maisons, c'est assez facile, bien évidemment, parce que, enfin, quelque part, pour quelques livres, je leur offre un marketing et une mise en avant qui ne leur coûte rien, quoi. Enfin, il faut être honnête, tu vois. Et puis, voilà. Il y a des grandes maisons qui sont extrêmement compliquées, qui ne comprennent pas grand-chose à rien. Et souvent, je vais te dire, les auteurs vont au-delà de leur maison d'édition et on travaille ensemble. Et, elles essayent et quand elles voient que ça amène nulle part, elles me disent « Bon, on va le faire ensemble, toi et moi, parce qu'on ne s'en sortira pas. » Alors, tu as déjà cité une fois ou deux Marc Lévy, qui est le parrain. Le parrain de cœur. Parle-nous une fois des contacts que tu as avec lui. Alors, écoute, la première fois que je me suis mis à ta place, j'ai interviewé Marc Lévy pour TV5 il y a 15 ans, très longtemps, une interview d'une heure. Et j'avais trouvé ce monsieur extrêmement disponible. Et puis après, j'ai fait un événement à New York qui s'est appelé Best of Friends et qui a réuni des entreprises françaises autour de 200 000 personnes qui étaient venues pendant un week-end. Et il y avait un pôle culturel. Et donc, bien évidemment, on pense à Marc Lévy, puisque Marc Lévy habite New York. Donc, automatiquement, on pense à Marc Lévy. Et Marc Lévy est venu. Et Marc Lévy a passé du temps avec les gens. Et j'ai mis ce côté très, très respectueux de son public. Donc, quand j'ai monté le Festival des auteurs francophones l'année dernière, c'était une première expérience, donc on n'a pas cherché de parrain. Et là, je me suis dit, allez, ça a bien marché l'année dernière. Cette année, on monte un peu.
Et puis on s'est dit, quel parrain. Et puis encore une fois, Marc Lévy, pour moi, c'était une évidence. J'ai écrit à Marc Lévy directement, ni à son agent, ni à son éditeur. Marc Lévy m'a répondu tout de suite. Et la discussion s'est engagée tout de suite. Et Marc a tout de suite dit, écoutez, je ne suis pas toujours disponible, j'ai plein de choses, mais ce que je peux faire, je le ferai. Mm-hmm. Et donc il a accepté tout de suite d'être le parrain de l'événement. Il ne devait pas être là ce jour-là parce qu'on était à la veille de Thanksgiving, qui est le gros week-end où tu as quasiment personne en ville. On en profite pour aller en famille pour manger la dinde et remercier ceux qui ont accueilli les premiers immigrants. Et puis j'ai fait l'interview de Marc Lévy quelques jours avant pour mon émission. Et puis à la fin de l'interview, Marc Lévy m'a dit « C'est quand déjà votre événement ?» Alors je lui ai donné la date, il me dit « Je ne suis pas là, mais je vais essayer d'être là. » D'accord. Et Marc Lévy est venu. Mm-hmm. Et il a passé du temps avec nous. Et il a salué chaque auteur qui était là. Et il a pris le temps de faire des photos. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est... Marc Lévy, il ressemble à ce réseau. C'est un réseau de cœur, c'est un réseau de bienveillance, c'est un réseau de respect. C'est un réseau où on s'aide. Je veux dire, les auteurs, ils s'achètent, ils se lisent entre eux. Ils vont à un salon, ils se rencontrent, ils prennent des photos, ils me les envoient. Tiens, j'ai rencontré machin, tiens, c'est génial. Et je trouve que Marc Lévy, dans toute cette générosité et ce côté très accessible, il ressemblait au réseau. Donc j'ai demandé à Marc Lévy s'il voulait bien être le parrain de cœur, le parrain français. Il m'a tout de suite dit oui, il m'a dit, je ne suis pas ce que vous attendez de moi, mais ce que je peux faire, je le ferai. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant, on est en train de travailler sur notre parrain belge. D'accord. Ah, d'accord. Et les contacts avec l'Alliance française, tu en as ? Non. Non. Je pense que je dérange un peu, Willy, tu sais. Je veux dire qu'on est à une espèce d'électron libre comme ça un peu. Moi, je ne fais pas ça pour me prouver quoi que ce soit. J'ai fait plein de trucs dans ma vie extraordinaires. J'ai eu la chance de réaliser des trucs complètement dingues. Donc si je fais ça, c'est parce que ça me fait lever le matin avec plaisir, avec l'envie de sourire, avec bonheur. Et donc je pense que quand tu fais ça avec tes tripes, avec ton cœur, tu déranges un peu. J'ai essayé, j'ai ouvert mes bras à tout le monde, j'ai contacté plein de gens en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'est-ce que je peux vous amener. Alors il y a des gens qui ont répondu par la positive, j'ai fait des choses avec des universités américaines, j'ai fait des choses avec des associations, et puis il y en a d'autres qui ne répondent pas. Alors ils ne t'envoient pas balader, hein, mais ils ne te répondent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne te répondent pas, tu sens que tu déranges, alors tu sais, moi, si tu déranges, tu ne vas pas au-delà. Donc voilà. Donc, moi, j'ai toujours ouvert mes bras. Celui qui a une bonne idée, qui a envie de faire des choses, mais génial, on y va. Alors des fois je rentre dans des trucs complètement dingues en me disant oh, mais comment je vais faire ça maintenant que j'ai dit oui, mais c'est pas grave, c'est vraiment c'est un réseau de cœur. Un réseau de cœur. Et tu vois, on a ouvert 5 antennes là en janvier, et chaque personne qui a ouvert, c'est quelqu'un qui vient de l'associatif, qui vient de la culture, qui a ça en lui. Et si tu n'as pas ça en toi, tu peux pas te donner à rencontrer des auteurs francophones. Parce que tu n'as rien à gagner, tu vois ce que je veux dire. Donc si ce n'est pas pour le plaisir d'être ensemble et de faire les choses ensemble, tu le fais. Je me vois ici derrière moi, j'ai mis la lumière sur une maison d'édition que tu connais, les éditions La Trace. Voilà une petite maison d'édition que j'aime défendre. Et j'ai la chance et le plaisir que quelques amis belges ont été édités chez eux, donc il y a Martin Rilland. Fait partie des auteurs aussi. Il y a Thierry Wertz, il y a Pierre Morlaix, il y a Michel Hamès, donc, et il y a encore d'autres surprises qui vont arriver. Tu as eu l'occasion l'été dernier de rencontrer Alain Cadéo. Oui, formidable dîner au bord de l'eau. Oui, tout à fait. Voilà un personnage que j'aime bien, qui a une plume, qui est un sculpteur des mots, qui va bientôt sortir une petite nouvelle bientôt dans quelques semaines, et encore d'autres surprises qui vont se faire dans les mois très proches mois. Mais voilà quelqu'un qui a le verbe au bout de la plume et qui a le verbe au bout de la langue. Très peu d'auteurs ont le verbe comme ça. Non, c'est vrai. Mais c'est un passionné. Enfin, Alain me disait, moi, il faut que je me réveille le matin, j'écris, je me couche le soir, j'écris. C'est sa vie. Quoi. Alors, c'est vrai que tu vas me dire, les auteurs sont tous motivés par l'écriture, mais Alain, il respire, il écrit comme il respire, quoi. C'est assez étonnant. C'est quelqu'un qui n'est pas motivé par le matériel, qui n'est pas motivé par... qui est juste motivé par le bonheur d'écrire.
Et moi, tu parlais de la trace, mais moi j'ai eu un vrai coup de cœur comme toi pour cette maison d'édition, parce que d'abord je trouve que tout ce qu'ils publient est génial. C'est rare qu'une maison d'édition, il n'y a pas un livre où j'ai fermé le livre en, à la moitié en me disant bon, ça vaut pas le coup d'aller au-delà, tu vois. Et puis tu sens qu'il y a une telle passion chez Florence et chez Jean-Philippe que ça fait plaisir, quoi. Et moi je les ai toujours défendus, c'est une maison que j'ai invitée, quand ils me disent on peut vous envoyer une nouveauté, mais bien sûr je prends tout, enfin voilà. Il y a une recherche dans la couverture, il y a la beauté du papier, tout est beau, quoi. Maintenant je vais sauter un petit peu l'Afrique. Oui. Quels sont les contacts que tu as avec l'Afrique? J'ai plein de très jolis contacts. Là, je suis en train de travailler avec Djibouti. J'ai un auteur, un poète, qui est en train de monter un salon, qui voudrait qu'on fasse des choses. C'est compliqué parce que aller en Afrique, on est encore un peu jeune pour traverser les mers comme ça, de New York à Djibouti, ça fait un peu loin aujourd'hui, mais on est en train d'essayer de monter aussi des choses différentes, c'est-à-dire de les aider, tu vois. Là, il y a le Salon du Livre à Saïgon, c'est la deuxième édition, ils se débrouillent bien, ils ont eu 400 visiteurs la première année à Saïgon, tu vois. Là, on n'y va pas physiquement, mais on est partenaire, on va apporter tout un panel d'auteurs pendant le salon, enfin voilà. Donc, j'essaie aussi de travailler là-dessus, comment on peut s'aider les uns et les autres. Et on est en train de travailler avec Djibouti parce que ce que fait cette personne, c'est vraiment bien. Il y met tout son cœur, il a beaucoup de talent. Il vient à Paris au Salon du Livre africain. On va se rencontrer à cette occasion, certainement. Et puis, alors après, je travaille aussi avec Haïti, alors c'est pas l'Afrique, mais j'aime bien aussi parler d'Haïti parce que il y a un panel incroyable d'auteurs, de talents. Et là aussi, pareil, je travaille avec une maison d'édition, une petite maison qui est en train de ressortir des grands auteurs et qui est en train de mettre en avant des auteurs assez engagés parfois. Mais je pense que c'est bien, je pense qu'Haïti en a besoin. Et voilà, on est en train de voir aussi ce qu'on peut faire ensemble. J'ai reçu ici Mackenzie Orsel. Oh, oui. Très bien. C'est un ami de Joseph Douanier, que je te présenterai après. Exactement. Mais écoute, Sandrine, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la descente d'avion directement. Je suis très fière d'être là, écoute. Hein, très fière d'être reçue dans ton antre, qui me fait rêver à chaque fois que je le vois sur les fameux réseaux sociaux. Donc merci de m'avoir reçue. Voilà, au plaisir. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.